la compétition automobile reste et restera un sport dangereux. Alors c'est vrai, il est moins dangereux qu'il ne l'était il y a quelques décennies et des progrès sensationnels ont été faits. Il y a une quarantaine d'années, il ne se passait pas une saison de Formule 1 sans avoir 3, 4 morts et des blessés. Aujourd'hui, eh bien, on a l'impression d'être étonné lorsqu'il y a un accident grave. Mais on sait que un accident grave peut se passer, et malheureusement, on l'a vu, et principalement, vous le disiez, lorsque Jules Bianchi a eu son accident en octobre dernier sur le circuit de Suzuka. Europe 1, Europe 1.